100 grammes. Je sais pas si les 100 grammes font la différence. Ah, il m'a dit qu'il allait essayer de les perdre. Il était là hier, donc forcément on l'a poussé ici à la rive gauche, je crois. Très sympathique, très gentil, très gentil garçon. Il y a donc 3 victoires et 5 défaites. On est vraiment dans les super lourds là, hein. C'est ça va cogner. Donc les Serbes et les Croates se croient sur le ring, c'est une alternance. Je ne sais pas s'ils se parlent ou s'ils se disent bonjour parce que c'est un peu compliqué, mais. Et donc voilà Thomas Van Est de Moukro. C'est un beau gros bébé aussi. 3 victoires. Donc une, au moins une acquise ici. Au moins une. Une c'est sûr, deux peut-être. Alors qu'est venu le temps des charmantes demoiselles avec les panneaux. Alors là, ça va cogner d'emblée, non, Michael, j'ai l'impression. Espérons-le. Ce croate, il est quand même impressionnant aussi. Mario Jagatic. Et il fait bien 2 mètres, non? Parce que Van Est n'est pas petit. Hein. Fixe son adversaire dans les yeux. Depuis quelques secondes déjà. Le silence dans la salle. Oui, les gens attendent. Thomas a la jeunesse pour lui et le croate à la taille. On va voir ce que ça donne. Premier enchaînement. Dans le coin, le croate. Il est acculé. Acculé dans le coin, mais il s'en est bien sorti quand même. Les visages sont directement marqués. Il n'y a même pas une minute de combat. Les deux visages sont déjà rougis. À ce point-là, les coups s'apportent. Hein. Retourne dans le coin, non, on sort, mais il va se passer des choses dans ce combat. Ouais. Ça ne va pas être plan ici. Hein. Alors, on repart dans le coin, là, ça fait 2-3 fois. C'est dans notre coin, donc on oui, est, on est bien première mis. Loge. Hein. Sens 5, 110 kilos, c'est... Le croate se tient bien parce qu'en sortie de corps à terre, il arrive quand même à planter son crochet. La débauche d'énergie, elle se voit sur le visage de Van Est après 2 minutes de combat. On voit qu'il est déjà pas dans les réserves, mais. Non, mais je crois qu'il a la.
pense qu'il a, dit, il a été touché à un moment donné. On a vu son visage. Regardez là, il a pris un hypercute. Ah, mais il balance toute leur puissance. Hein. Ça va jamais aller à son terme, ce combat, Michael, d'une manière ou d'une autre. C'est... Non. Même si repris, ça me paraît long, moi. Oula, l'hypercute qui n'est pas encore passé. Attention, 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 quand Thomas Vallès va les toucher. Et alors là, le clan Talki est dans le coin de Thomas Vallès. Ah oui, hein. Qui a été touché. Il s'est touché, il me semble, par des hypercutes. Démarrer très fort. Hein. Alors attention, mon cher Manu. Oui, oui, je vais être attentif, je le promets. Se passer ici, est-ce qu'on est reparti sur le même tempo? En tout cas, le célèbre elle-même, il y a Thomas Vallès se jette sur son adversaire, mais regardez, à chaque fois il prend des crochets, il prend des hypercutes en sortie de corps à corps. Ils sont déjà au bout du rouleau. Là. Oui. Ils balancent toute leur puissance. De nouveau dans le coin. À toi, à moi. C'est une belle opposition pour Van Est, hein, parce que franchement, c'est pas de la rigolade. Hein. Oula, les 10 hypercutes sont passés là. Le public a compris qu'il fallait y aller. De retenue là, on est plus dans la, on est plus dans la vitesse, on est vraiment dans la puissance. Voilà, c'est un tournant là, c'est la bascule, j'ai l'impression. Il reste 20 secondes. Le croate est en mode survie. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle sauvé par le gong. Hein. On connaît tous l'expression. Mais là il y est. Hein. Là il y est. Hein. Il restait 5 secondes, il ne tenait pas. Hein. Voilà, il jette l'éponge. Ouais,
Voilà, vraiment.